Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver. Donc on continue les signes astrologiques pour le mois de novembre. On va voir quel est le signe qu'on va faire pour ce mois de novembre. Alors je coupe. On va faire les scorpions. Donc bienvenue à vous les scorpions pour votre tirage. On va commencer par des petits messages pour les scorpions. Alors je vais juste prendre ceci. Hop, voilà. Pour les scorpions. Alors, il y a des scorpions qui se questionnent et qui se demandent quand. On vous dit dans pas très longtemps, par rapport à la question que vous avez. Ensuite, nous avons des scorpions qui sont en train de développer leurs facultés, qui sont en train vraiment d'avoir des facultés qui sont en train de grandir. Et il y a des scorpions qui hésitent. Donc là, on vous dit... quand, dans pas très longtemps. Donc si vous vous posez une question par rapport à la réalisation de ce à quoi vous aspirez, on vous dit que c'est dans pas très longtemps. Donc pour vous, je vois qu'il y a des facultés qui sont en train de grandir. On vous dit de reconnaître votre progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Ton Père Céleste. Donc là, pour les scorpions, il y a des facultés qui sont en train de se développer. Vos yeux, vos oreilles sont en train de s'ouvrir. Et on vous dit vraiment que ça continue de se développer de plus en plus et ça va se développer encore et encore. Ensuite, amuse-toi. Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Live it up. Donc là, vous avez certainement besoin de vous amuser, de vous distraire, de penser à autre chose et de vous divertir tout simplement. On a l'hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose à toi. Donc peut-être que vous vous questionnez par rapport à un choix que vous avez à faire et que vous êtes en pleine réflexion par rapport à ce choix. On vous dit que c'est aussi nécessaire que vous puissiez prendre le temps de la réflexion pour faire mûrir ce projet et ce que vous souhaitez dans votre vie. Alors, on va continuer pour les scorpions. On va prendre celui-ci. Alors, je vais juste mettre mes cheveux derrière parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Alors, les scorpions... J'ai l'impression, là, en mélangeant les cartes, qu'il y a des scorpions qui sont dans une phase de doute, de questionnement, mais aussi une phase importante de lâcher prise. On est quand même dans une phase beaucoup plus détendue. On rentre dans une phase beaucoup plus détendue. On a la manipulation, debout. Peut-être aussi qu'il y a des scorpions qui ont la sensation de ne pas être libres au niveau de leur pensée. Ensuite, on vous parle d'aide, de maîtrise. Le but, la cohérence et on va prendre une dernière carte, la réponse. Donc là, pour beaucoup de scorpions, on est dans l'attente d'une réponse importante. Durant ce mois de novembre, la question qui va être la plus importante, c'est vraiment quand cette réponse va arriver. Et là, on vous parle d'une réponse importante qui arrive dans votre vie, qui va vous permettre de cheminer. J'ai l'impression au niveau des aides que vous recevez, que vous êtes, il y a des présences autour de vous, vous êtes entendu, on perçoit vos messages et donc par rapport à ça, vous êtes guidé. C'est comme si vous aviez des aides invisibles qui sont là pour vous aider justement, pour trouver la réponse à vos questionnements. Aussi, j'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui se relèvent d'une situation, qui sont en pleine phase où ils sont en train de se relever par rapport à une situation. J'ai aussi l'impression ici que grâce à la maîtrise, vous avez la capacité d'avoir une certaine maîtrise, mais on vous invite aussi au détachement de toutes les pensées négatives pour attirer à vous du positif. On a le but et la cohérence. Donc là, il y a besoin d'un réalignement au niveau de ce qu'on ressent, au niveau de ses pensées, pour vraiment être en alignement avec tous ses chakras, tout ce qu'on peut ressentir dans sa vie. Là, je sens qu'il y a des scorpions qui se sont fixés un but, un objectif à atteindre. Et que par rapport à cet objectif, vous allez pouvoir vous relever. J'ai aussi l'impression qu'il y a des aides extérieures. Il y a vraiment quelqu'un qui va être à vos côtés pour vous épauler tout au long de ce mois de novembre. Donc, on continue pour les scorpions. On va prendre celui-ci.
Là, en fait, il y a des intuitions qui sont en train de se développer de plus en plus, des ressentis. Peut-être que vous ne savez pas comment les gérer, mais il y a quelque chose qui est en train de se développer en vous. C'est ce que je ressens. En tout cas, je ressens des scorpions qui ont repris de la force, du courage pour avancer, une détermination. Je vous sens déterminée aussi dans vos objectifs, dans vos projets. Mais il y a quand même une patience. On est quand même dans l'attente d'une réponse importante. Et par rapport à ça, on vous invite à la patience. On vous invite vraiment au détachement de tout ce qui peut être lourd à porter et plutôt amener des énergies positives dans cette situation. J'ai l'impression que c'est une porte, en fait, qui est en train de s'ouvrir pour vous. Une porte à de nouveaux ressentis, à de nouvelles perceptions. C'est comme si aussi ça me parle également de projets créatifs. Ça me parle de projets créatifs qui vous tient à cœur. Et par rapport à ça, il y a aussi de la patience. J'ai l'impression qu'au fond de vous, vous avez une force intérieure, une détermination pour avancer, pour aller de l'avant, et de nouvelles portes qui s'ouvrent. Donc là, pour les scorpions, c'est une phase de transformation. C'est une phase où on déploie tout son potentiel, tous les objectifs que l'on a pour avancer. Alors, la carte principale, c'est l'action. Donc en fait, vous avez une dynamique assez importante, cette capacité d'aller de l'avant, de commencer quelque chose avec une nouvelle énergie. Et ça, ça va vous aider à mettre en place les projets que vous avez, cette action, cette activité aussi. Mais cette force intérieure va vous permettre d'aller de l'avant et de continuer dans vos projets. J'ai l'impression qu'on a du mal à patienter, on a du mal à être dans la patience. Et ici, je vois que de nouvelles portes sont en train de s'ouvrir, de nouveaux objectifs de vie, une construction par rapport à ces projets, une ouverture. Ça me parle également pour vous de quelque chose de créatif, beaucoup de créativité, beaucoup d'idées qui sont en train de se développer. Alors, je continue avec celui-ci pour les scorpions. Bon, il y a des scorpions qui sont quand même dans une phase où ils ont développé leur potentiel, mais il y a une souffrance intérieure. Par rapport à ça, on est en train de se reconstruire et on est en train aussi également de laisser parler ce qu'on ressent par rapport à soi-même, par rapport à ses émotions, par rapport à ce que l'on peut percevoir. J'ai l'impression aussi qu'il y a des angoisses. On a peut-être du mal à avancer parce qu'on est un peu angoissé. On a quand même une surcharge émotionnelle. On a beaucoup d'émotions qui viennent à nous. Et j'ai l'impression que beaucoup de scorpions souffrent par rapport à une trahison. Donc par rapport à ça, on vous dit que ça crée des angoisses à l'intérieur de vous et que ça a peut-être touché votre estime de vous. Là, on a la carte de la médiumnité. Donc il y a des scorpions qui vont ressentir des présences, qui vont développer la clairsensibilité, la clairaudience. Tous les dons, toutes les capacités que vous avez sont en train d'être expansives et de se développer. Donc peut-être aussi, ce que je ressens pour les scorpions, c'est que les habitudes de vie que vous aviez ne correspondaient pas à vos attentes. Il y a beaucoup de souffrance par rapport à ça. On a besoin de réharmoniser ces habitudes de vie pour éviter justement cette surcharge, cette angoisse que l'on ressent. Ici, je vois une peine de cœur assez importante parce que j'ai l'impression que votre chakra qui va être le plus en éveil, c'est votre chakra du troisième œil et votre cœur a besoin de panser ses blessures. J'ai l'impression qu'en fait, notre environnement de vie ne correspond pas à nos attentes. Peut-être aussi qu'on souffre au niveau de son environnement de vie. Mais il y a quelque chose qui ne correspond pas à nos attentes et qui peut nous être nocif aussi. Qui peut nous être nocif et qui peut ne pas aller dans le sens que l'on attend. J'ai l'impression qu'on doit retrouver un équilibre dans sa vie. On doit retrouver un équilibre par rapport à ce qu'on ressent, parce que ici, pour moi, il y a des scorpions qui sont passés par une trahison importante et qui sont en pleine reconstruction par rapport à ça. Peut-être aussi qu'il y a de la colère, une incompréhension à l'intérieur de vous, que ce que vous vivez en ce moment ne correspond pas à vos attentes, mais de nouveaux objectifs sont en train de se mettre en place et une nouvelle vision des choses. On vous dit également que vous avez cette force en vous, cette capacité d'avancer, d'aller de l'avant et de construire vos projets. Cette force est en vous. Une capacité aussi par rapport à cette souffrance émotionnelle, vous allez entrer dans une phase de guérison.
En fait, ce que je ressens pour les scorpions, c'est que vous passez par des injustices. Vous avez l'impression que les choses sont injustes, ne sont pas à leur place et sont déséquilibrées. Et c'est pour ça que ça vous touche, ça vous crée des angoisses, ça vous crée des blocages. C'est comme si c'était injuste pour vous de vivre certaines choses. Et vous avez raison, vous vivez des choses qui sont injustes, qui ne sont pas en adéquation avec ce que vous pouvez donner et transmettre. On a l'intuition. Donc là, en fait, votre intuition, ça va vraiment être ça va être votre guide, puisque votre intuition va vous apporter des réponses, des messages importants. J'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui sont en colère, qui ont une incompréhension, peut-être passés par des injustices aussi, mais qui ont besoin de retrouver de l'équilibre par rapport à leur intuition, à leur ressenti. Et par rapport à ça, on vous dit qu'un équilibre est retrouvé. On vous dit aussi de vous reposer par rapport à cette fatigue, cette surcharge émotionnelle, mais aussi pour certains par rapport à votre médiumnité. Bon, c'est vrai que c'est pas un mot que j'utilise souvent, mais ici, cette carte nous parle vraiment de présence qui sont autour de vous, de capacités que vous avez, et que par rapport à ça, vous pouvez vous fatiguer. Votre chakra du troisième œil est bien ouvert, continue de s'ouvrir également. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on continue pour les scorpions. On va prendre celui-ci. Je vais juste me mettre dans le fond de la chaise parce que je glisse. Pour les scorpions. Là, on me parle de choix importants. Vous êtes en train de prendre des décisions importantes, de faire des choix importants par rapport à votre vie. Peut-être aussi qu'il y a de la peine. On a du mal, on a de la peine, du mal à faire un choix, à prendre une décision. J'ai aussi l'information qui me vient, c'est qu'il y a une personne dans votre vie qui a tourné le dos, qui a eu comme un départ, et cette personne va vous appeler durant ce mois de novembre. J'ai l'impression que par rapport à ça, on est bloqué, par rapport à ce qu'on peut ressentir. Il y a des blocages. Je vois aussi un déplacement important pour vous. Ça va être vraiment un déclic. Il va y avoir un déclic par rapport à un déplacement. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup de scorpions qui se sont fatigués dans une situation et qui se sentent un petit peu seuls en ce moment. Donc par rapport à ça, on vous invite vraiment à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions par rapport à ce que vous pouvez ressentir. Alors ça me parle également d'être à l'écoute de ce qu'on ressent, mais il va y avoir une révélation importante pour vous. Il va y avoir vraiment un appel important, une révélation importante dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de décisions, beaucoup de choix par rapport à son bien-être aussi. On peut être intéressé aussi par des thérapies douces, par de la médecine douce. Et aussi, il peut y avoir aussi des choses que l'on garde en soi, que l'on a besoin d'exprimer en lien avec une personne. Ça me parle plutôt d'un homme. Ce sont des choses que l'on ressent par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, ça peut être également un homme. Mais il y a quelque chose, on a des choix à faire, des décisions importantes à prendre. Je pense qu'il y a des scorpions qui ont besoin de s'exprimer par rapport à ce qu'ils ressentent pour faire les bons choix dans leur vie. Et par rapport à ces choix, on vous dit que de la lumière arrive. Aussi, je vois des échanges sur le plan amoureux. Je vois une entente vraiment harmonieuse, vraiment très harmonieuse, avec beaucoup de décisions qui sont prises par rapport à ça. J'ai l'impression qu'on se questionne aussi par rapport à des échanges. On se pose des questions, mais également sur le plan finance. Il y a des questions importantes. Un projet qui vous tient à cœur, qui va demander des finances également. Par rapport à ça, il y a des questions importantes. Alors, on recommence, on continue. Et je vous sens plus détendue aussi. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a eu une surcharge émotionnelle.
on s'est peut-être épuisé dans une situation. Là, on a le soleil qui revient dans votre vie. Donc l'apaisement, de nouvelles émotions, de nouveaux objectifs aussi. Et une situation imprévue qui se présente à vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va refaire surface dans votre vie. Comme s'il y avait eu un départ et que par rapport à ça, cette personne va refaire surface. J'ai l'impression qu'il y a des questionnements aussi en lien avec une signature. Donc il y a des questionnements par rapport à ça. Mais par rapport à cette signature, on vous parle vraiment de révélations importantes. C'est comme s'il y avait des questionnements par rapport à un engagement. Mais par rapport à ça, on va avoir un changement très positif. On vous dit aussi d'être attentif à ce que vous pouvez recevoir comme message. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des scorpions qui sont en communication avec l'au-delà, qui reçoivent des messages. On vous parle d'une grande protection aussi sur vous. Vraiment d'une protection importante. Là, on me parle d'une renaissance pour les scorpions. D'une renaissance, c'est un passage important dans votre vie. Ça me parle également d'une forte connexion avec la nature, avec les fées, les êtres de lumière, avec beaucoup d'énergie de nature aussi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de scorpions qui prennent leur énergie dans la nature, qui ont besoin d'être au contact des arbres, des plantes, des fleurs, mais qui ont vraiment, vraiment ce besoin-là. On vous dit également que vous incarnez une personne unique, que c'est important de vous le rappeler et que c'est un passage important dans votre vie. Beaucoup de lumière qui arrive par rapport à vos projets. Je vois que la chance arrive pour vous. La chance arrive par rapport à une situation qui est mise en lumière. C'est une situation qui va prendre forme. Il y a quelque chose qui va être éclairé et par rapport à ça, on trouve des solutions. On est vraiment là sur une énergie où des scorpions développent leurs capacités par rapport aux cartes, par rapport au magnétisme, mais à tout ça. Peut-être aussi qu'on passe par des contraintes. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose où on a gardé quelque chose pour soi. C'est comme si on avait besoin d'exprimer quelque chose, mais que on le garde pour soi. Et peut-être qu'on passe par des contraintes aussi. On va voir un petit peu ce qui se passe par rapport à l'amour. Je vais juste prendre celui-ci. Par rapport à l'amour pour les scorpions. Alors, ça me parle de scorpions qui sont un peu dans l'impatience au niveau amoureux. Il y a un peu d'impatience. Pour moi, il y a une forte connexion avec un signe de feu. J'ai l'impression aussi qu'on va vraiment se donner confiance. Peut-être qu'il y a de l'impatience, mais on va se faire confiance au niveau amoureux. J'ai l'impression aussi qu'on est beaucoup dans son esprit, beaucoup dans ses pensées. Il y a beaucoup de pensées, beaucoup d'idées, en fait, qui sont là en vous. On porte quand même une surcharge, on porte un poids. On porte un poids et j'ai l'impression que par rapport à ce poids, les choses vont être beaucoup plus simples, beaucoup plus limpides, beaucoup plus tranquilles aussi. Mais il y a un poids. Là, on est vraiment dans une phase également où on est... pour moi, il y a une transition qui se fait par rapport à un poids que l'on porte.
C'est le bon moment, on vous dit. C'est le bon moment pour vous. Et c'est une phase de transformation. Donc là, pour les scorpions, on vous dit que vous passez par une étape où il y a de l'impatience. Peut-être aussi que vous avez l'impression d'avoir un poids. Mais j'ai l'impression qu'il y a une forte connexion ici. Il y a une forte connexion. Et pour moi, les choses vont être beaucoup plus simples par rapport à votre vie amoureuse. J'ai la sensation aussi qu'on va se transformer. On va vraiment être dans des objectifs qui vont grandir, dans une transformation déjà personnelle, mais aussi par rapport aux personnes qui nous entourent. Alors, on va juste prendre celui-ci. Toujours par rapport à l'amour. Je vois une forte attraction. Une invitation aussi à passer des moments ensemble, que vous soyez célibataire ou en couple. Il va y avoir pour vous une invitation. J'ai l'impression aussi qu'on va retrouver un équilibre important dans sa vie. Il va y avoir un équilibre important. On va peser le pour et le contre d'une situation. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Et il y a du mouvement. Pour certains, ça me parle également de mouvement par rapport à son lieu de vie. À deux, pour moi, il y a un mouvement qui se fait, un déménagement. Et ça me parle vraiment de fin heureuse dans une situation, d'un objectif atteint. Et on atteint vraiment une situation très heureuse, avec beaucoup de bonheur. Donc je vous le souhaite de tout cœur. Et on va tirer un petit message pour vous. Donc un petit message de celui-ci. Et par rapport à l'amour, on va prendre celui-ci. Donc je vous laisse prendre le temps. Et on va voir ce qui ressort. Alors, on va tirer le petit message. Oula ! La vérité. Cherche la vérité dans cette situation. Sois honnête pour toi et pour les autres ou exige-le. Quel soulagement ! Donc, peut-être qu'il y a une situation où vous avez besoin de rétablir vraiment une vérité dans ce que vous ressentez, dans les énergies que vous partagez également. On va tirer une petite carte par rapport à l'amour avec celui-ci. Donc, je vous laisse le temps de choisir. Et on va voir ce qui ressort. Alors, on mélange pour les scorpions. Le challenge. Donc là, en fait, vous êtes dans des énergies. Sur le plan amoureux, c'est un challenge. Ce sont de nouveaux objectifs à atteindre. Peut-être aussi raviver quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'on a une certaine activité, une certaine force au niveau amoureux. Et c'est comme si vous aviez de nouveaux objectifs de vie aussi qui sont plus en harmonie avec ce que vous ressentez. Voilà pour vous les scorpions. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Gros poutou. Et je vous dis un grand merci.